matin, il fait un temps pourri, pourri, pourri. Il pleut, mais il pleut fort. Il me fallait faire les courses. Je suis dégoûtée. Mais bon, c'est tout le temps pareil. Bon, mais voilà, je vais aller faire mes petites courses parce qu'évidemment, la semaine dernière, j'ai oublié la moitié des choses. Hein. Donc, quoi vous dire? Bah, écoutez, je vais vous montrer au fur et à mesure du vlog hein, mes rangements. Parce que là, j'ai tellement de produits entre les swaps, les calendriers de l'Avent. Donc là, je suis en train de ranger. Et je vous montrerai ça petit à petit. Et puis, ben, on verra suivant ce que je fais dans la semaine. Hein, voilà, on fera un petit vlog. Voilà, manière de vous montrer un petit peu ma semaine de vacances, ce que je fais. Bon, rien de fifou, hein, parce que voilà, j'ai besoin de me poser. Mais bon, voilà, pour passer un petit moment entre nous. Allez, donc sur ce, avec cette pluie, je vais aller faire les courses. Hein. Je vais être trempe. Mais bon, c'est comme ça. Hein. C'est le tarif. Hein. Quand on n'a pas de tête, hein, et bien voilà. Bon, allez, je vous embrasse très fort. Ah oui, je vais poser mes trois colis Vinted. Alors, un Chronopost, un Mondial Relais et un La Poste. Le top. Je vais faire toute la villa pour poser tous mes colis. Ça, ça me gonfle. Hein. Mais bon, exceptionnellement, trois ventes dans le week-end. Je n'en crois pas mes yeux. Alors, je n'ai pas trop râlé parce que justement, il faut que je trie aussi tous mes produits qui sont sur Vinted parce que j'en ai marre. Il y a des trucs, ça fait trop longtemps que je les ai à vendre et ça ne se vend pas. Donc, je vais virer tout ça et en faire don à Emmaüs ou dans les containers à vêtements parce que là, stop quoi. Voilà, j'en ai marre. Allez, donc sur ce, je vais arriver à un point relais. Je vous laisse et puis je vous dis à plus tard. Bye bye. Coucou. Bon, bah écoutez, là, je vais me reposer un petit peu. Je vais bouquiner. Et je vais après continuer à ranger tous mes produits skincare et make-up. Je vais vous montrer un petit peu déjà ce que j'ai fait. Voilà, donc là, c'est encore tout ça que je dois ranger. Bon, vous direz, c'est pas énorme. Mais voilà encore. Hein. Je vais vous montrer. J'ai organisé un petit peu le calendrier Look Fantastique. Alors, mais bon, ça va être amélioré encore. Hein. Voilà, donc j'ai mis des étiquettes pour savoir ce que c'est. Donc en gros, ce sont des rouges à lèvres. Après, vous avez des baumes, des glosses, des baumes à lèvres encore. On a des ombres à paupières, des blushs pour les sourcils, des crayons, des liners, des mascaras, ils sont tous là. Parce que sinon, je vous les montrerai un petit peu plus quand j'aurai terminé. Et là, qu'est-ce qu'on a? Des contours des yeux, des bases à paupières et les sérums de passe ici. Voilà. Bon, mais ça reste à améliorer. Hein. Voilà. Donc après, j'ai encore rangé un petit peu ce tiroir. Mais bon, je pense que je vais remodifier un petit peu. Il y en a tellement que... Voilà. Ensuite, pour les palettes, ça, je ne vais pas toucher. Ça, c'est mes grandes palettes. Hein. Mais c'est pas bien que je touche parce que c'est déjà rangé. Et là, c'est les petites palettes. Hein. Donc là aussi, c'est rangé. Donc, ça, je ne toucherai pas. Là, c'est toutes mes crèmes pour les mains. Rien qu'un tiroir pour ça. Et encore, je vais en rajouter d'autres. Il y en a, il y en a, il y en a. Je ne manquerai pas de crème. Et là, d'ailleurs, ça coulissait. Oh, mince. Donc là, c'est toutes mes crèmes. Il y a des crèmes de jour. Tout est tellement serré. Crème de jour, il y a des crèmes pour les pieds. Il y a de tout. Donc c'est pour ça que ça, il faut que je range parce que ça c'est quoi ça? Un démaquillant. Ouais, il va falloir que je range autrement. Ça c'est quoi? Crème pour les pieds aussi. Bon, fait. Il va falloir que je modifie tous mes rangements. Ça va pas. Ça c'est une trousse de tout ce que je vais tester bientôt dans un vlog. Dans celui-ci, je crois pas avoir le temps.
On verra la prochaine fois. Il y a des palettes. C'est tout ce que m'a offert Fanny. C'est la gamme Red Valentine. Voilà, donc j'ai mis tout ça de côté. Ça, c'est ce que je dois utiliser. Ensuite, bon, ben, la tour, oui, je vais tout modifier. Enfin, tout. Pas tout non plus, mais voilà, une grande partie. Je vais modifier un petit peu. On va voir. Là, c'est des crèmes de nuit. Là, c'est tous mes primeurs. Là, j'ai mes parfums. J'en ai aussi en haut des parfums, hein, mais bon. Ça, c'est un masque de nuit. Ça aussi, voilà, je ne sais pas trop comment m'organiser. Ça, c'est la crème que j'ai bientôt finie de chez Eau Jouvence. Et ça, donc, c'est toutes les petites crèmes que j'ai déjà ouvertes et que je dois terminer après avoir fini celle-là. Voilà, je suis bien décidée. Celle-là, je les termine petit à petit. Comme ça, au moins, c'est pas gaspillé. Ensuite, ça, c'est un sérum contour des yeux plutôt, que je dois vite terminer aussi. Ça, c'est un masque qui n'a rien à faire là. Voilà, bon, il y a des petits trucs à ranger. Voilà, ça aussi, il faudra que je le finisse. Ça aussi, c'est une super lotion fortifiante de chez Guerlain que j'avais eu en cadeau dans une commande. C'est vraiment très, très bien. Voilà, mais ça aussi, il faut que je le termine. Donc, voilà, j'ai quelques trucs à finir. Ensuite, tout ce coin-là, je vais modifier aussi. Ça, c'est ma boîte pour les fossiles. Donc, je vais l'enlever de là. Et je la mettrai ailleurs. Je ne sais pas, peut-être que je la remonterai là. Enfin, je vous montrerai ce que j'aurai fait. J'ai encore plein de trucs à ranger. Ça, c'est des blushs qui font blush et pour les joues, je crois, et pour les lèvres. Ouais, ça fait les deux. Et il y en a un qui est un illuminateur. Donc ça, de toute façon, c'est des trucs que j'ai déjà ouverts. Donc, il faut que je les mette avec mes backups. Donc ça, c'est des trucs que j'ai déjà ouverts qui n'ont rien à faire avec mes backups. Voilà, après tout ça, là, c'est rangé. Mais bon, c'est déjà plein, quoi. C'est déjà plein. Bon, ben ça avance tout doucement. Donc, dans ce tiroir, j'ai mis les fonds de teint que je n'utilise pas, qui sont totalement neufs. Là, on a quoi? Là, c'est le dernier débouché. On a fait quoi, là? L'idole. Ah, Lancôme, ouais. J'ai mis les démaquillants de passe, qui sont tout neufs. Une petite eau minérale, des fois, ça sert. Ça, c'est un autre fond de teint que j'avais acheté chez Noz. J'ai mis quelques coffrets tout neufs. Donc ça, ça sera ma prochaine routine quand j'aurai terminé celles qui sont là, les petites. Après, j'attaque la routine complète. Parce que là, il y a le sérum et la crème qui va avec. Donc ça, c'est cool parce que ça, je l'ai en double. Donc c'est nickel. Donc je pourrai continuer à faire le combo. J'ai toutes mes crèmes de passe de Tony Moly. Voilà. J'ai des masques. J'ai des toners qui sont neufs, voilà, qui n'ont jamais été ouverts. Il y a des brumes. Ça, les brumes pour le visage, j'adore. Parce qu'en sortant de la douche, j'aime bien m'en mettre. Voilà, donc j'en ai tout un tas. Voilà, du Christian Lénard, il y a un peu de tout. Voilà, donc ce coffret, enfin, ce petit tiroir, il est presque rempli. Voilà. Ensuite, donc... Je voulais me ranger mes brumes. Pour le moment, bon, j'arrive pas. Donc, je trie la tour. Donc, au niveau de la tour, donc j'ai mis en haut les parfums que j'utilise régulièrement. Et il y en a d'autres que j'ai rangés là-bas. Je vais vous montrer. Donc là, j'ai mis celui-là. Il va finir. Je vais le finir cette semaine. Après, j'ai celui-ci de chez Action. Voilà. Et ces deux-là, je ne les utilise pas parce que je n'aime pas les odeurs. Ils sont juste là pour faire joli. Voilà. Donc, au niveau de la tour, j'ai mis donc en haut donc les parfums que je me sers habituellement. Donc là, c'est un pivoine de chez Action. Là, il y a Chloé. Là, c'est Gabriel de Chanel. Vous avez le Miss Dior. Ensuite, là, je viens de mettre... Donc, j'ai fait le tri dans mes crèmes de jour. Ces deux crèmes de jour, il faut que je les utilise d'ici le mois de mars 2022. Donc du coup, je les ai mises là en priorité pour m'en servir. Ensuite, là, j'ai mis toutes les bases et les primeurs. Voilà, dans un petit... voilà. Là, ce sont tous mes fonds de teint, donc ils sont ouverts. Voilà.
Donc ceux-là, c'est ceux que je dois utiliser en priorité. Donc vous avez le Dior Skin. Vous en avez un de chez Action que j'avais testé en crash test. Vous avez un que j'avais trouvé, le Josel, chez Noz. Vous avez le By Terry, le double. D'un côté, vous avez la couleur et un côté l'illuminateur. Le bébé Peau Parfaite, qui est parfait, de chez Yves Rocher. Ensuite, ça, ce sont mes crèmes de nuit. Donc, il y a celle-ci de chez Lidl, qui est super. J'arrive pas bien à vous la montrer. Attendez, mais l'autre main, ça sera mieux. Voilà, elle est super. Celle-ci, donc, je l'ai testée parce que je l'avais eue en partenariat avec YesStyle, je crois, ou Sylvana, je ne sais plus. Donc, celle-là, elle est très bien, je l'ai déjà commencée. Voilà, donc je tourne avec les deux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en bas? On a une brume. Voilà, donc ça, c'est une brume pour le visage. Et des fois, je m'en sers pour nettoyer un petit peu mes pinceaux. Bon, je fais tout tomber à côté, c'est pas grave. Ensuite, j'ai des lotions. Voilà, c'est des lotions un petit peu nettoyantes. Hein. Voilà, mais bon, qui sont aussi hydratantes. Donc, soit on peut s'en servir avant le. Normalement, je crois qu'il faut s'en servir après le sérum. Mais quand c'est pour le soir, moi, je m'en sers avant d'aller au lit. Et après, j'applique ma routine du soir. Voilà, ça ne nettoie pas. Voilà, ça hydrate, ça protège, etc. Bon. Ensuite, là, j'ai mis. Alors, ça, c'est quoi déjà? Je l'ai marqué parce qu'après, j'oublie. Oui, ça, c'est un sérum. Voilà, donc ça, je me le suis marqué. Je l'ai déjà ouvert parce que je l'ai testé. Ça, c'était avec YesStyle. Donc, je l'ai mis là pour l'utiliser. Après, j'ai mis ceci. C'est une lotion qu'on doit placer après le sérum. Donc, ça aussi, je l'ai mis là. Après, derrière, j'ai un masque de nuit. Donc, je le mets là comme ça, moi, j'y pense. J'ai ressorti tous les masques la neige, je les ai enlevés de leur emballage, sinon après j'oublie de m'en servir. Et en haut, c'est une crème que j'ai eue pour le cou et décolletée. Donc comme ça, au moins, je la vois et je l'utilise aussi. Et ensuite, là, ce sont toutes mes crèmes que je dois utiliser. Donc celle-ci, c'est la Jouvence, dont je vous ai fait une vidéo partenariat. J'en suis ultra contente. Donc celle-là, je l'ai presque finie. Je vais la finir d'ici la fin des vacances. Et ensuite, là, ce sont toutes mes petites crèmes que je dois terminer avant de commencer les grosses. Vous avez du Polar, du Caudalie, enfin, voilà. Il y a quoi aussi au fond? Du Nuxe, du Filorga. Ouais, du Filorga. Ce sont des crèmes que j'avais eues dans les box. Voilà. Et là, donc, on finit par les eaux micellaires et démaquillantes. Voilà, il reste ça, Caudalie. Il reste donc la sienne, la Caudalie et au fond, c'est une Garancia. Je l'ai mise trop au fond. Voilà, c'est pas pratique, il va falloir que je gère au niveau des étagères parce que là, ça va pas. Voilà pour ceci déjà. Ensuite, là, c'est ma boîte à fossiles. Donc j'ai rangé les colles, tous les fossiles, j'ai fait un petit peu le tri, j'en ai jeté qui était un petit peu vieux. Donc moi je les mets tous dedans. Voilà, c'est super, ça se ferme comme ceci, c'est tout joli. Donc je ne sais pas trop où je vais la mettre, je verrai, mais ça va partir de là parce que ça me prend trop de place sur la coiffeuse et vous voyez, elle est trop petite. Hein. Voilà, donc maintenant je vais continuer un petit peu. Bon, ben, j'ai nettoyé toute la coiffeuse. Hein. J'ai vidé ce côté-là. J'ai tout nettoyé, voilà, donc après, c'est déjà ce que je vous avais montré, hein. J'ai rien rajouté, voilà. J'ai juste mis ici, mais bon, enfin, je vais voir après, c'est mono après douche, hein, vous savez, pour le visage hydratant. Bon, j'ai tout enlevé, j'ai tout nettoyé, et je vais voir après pour la réorganisation. Ensuite, ouais, j'ai commencé à trier déjà mes rouges à lèvres. Ça, c'est des rouges à lèvres feutres que j'avais achetés chez... Jiffy, la foire fouille, c'était pour faire des crash tests. Mais bon, ils sont vraiment pas bien. Hein, donc, c'est pas peine que je garde ça. Après, ça, c'était un repulpant de chez Kiko. Je supporte pas ces produits-là. Ça me brûle trop les lèvres. Je supporte pas. Donc, c'est pas peine que je les garde. Ils sont déjà ouverts. Ensuite, j'ai tout mis là. C'est le bazar. Hein. Voilà. Donc, là, il y a tous mes rouges à lèvres. Donc, je vais continuer à les trier. Tout en regardant la saison 2 de Emily in Paris. J'ai fini la troisième saison de After.
Voilà, là, vous voyez, je regarde Emeline Paris sur ma tablette, tranquille. C'est vraiment la pagaille dans ce champ. Mais bon, ça ira mieux demain. Voilà. Allez, donc là, je vais finir de trier les rouges à lèvres. Et puis, ben, après, j'arrête parce que c'est déjà 5h, je ne sais plus combien. Et puis, il fait nuit. Et puis, bon, voilà, quoi, on n'y voit plus rien. Je le ferai demain. Là, maintenant, j'en ai marre. Voilà. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à demain. Bye. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Je ne sais plus combien. 29 peut-être, je vous mettrai les dates. En vacances, c'est vrai que on zappe un peu les dates, et tant mieux, c'est fait exprès. Alors, donc là, cet après-midi, il faudrait que je range au niveau de ma salle de bain, donc tout mon surstock de gel douche, etc. Je vous montrerai un petit peu quand je pourrai. Là, pour le moment, je vais vous montrer vite fait donc la chambre, j'ai terminé. Et je vais vous montrer mon rangement dans le calendrier de l'Avent. C'est pas tout à fait fini, je vais vous montrer. Donc là, c'est la coiffeuse. Voilà, la coiffeuse, c'est fait, c'est rangé. Voilà, j'ai positionné donc toutes mes brumes ici. Voilà, donc je tournerai un petit peu. Bon, en ce moment, voilà, j'essaie d'utiliser ces deux. Mais bon, c'est infini, quoi, pour les terminer. C'est trop long, quoi. Donc là, j'ai mis donc mes sérums que je dois utiliser. Ça, c'est mon contour des yeux que je dois utiliser en premier pour le finir. Après, j'ai celui-ci aussi. Celui-là est très bien aussi. Là, j'ai mis quelques parfums roll-on. Ensuite, ben là, il y a tous mes rouges à lèvres que je dois utiliser. Donc, comme vous voyez, je n'ai pas fait le compte. Mais bon, voilà. Bon, j'en ai jeté que 3 ou 4, c'est tout. Donc là, il y a mes petits sprays après douche pour m'asperger le visage, pour m'hydrater le visage en attendant le soir ma routine. Donc ça, c'est génial, franchement, à faire. Ça fait un bien fou en plus. Bon, là, j'ai mon fixateur, hein. Là, j'ai mis un contour des yeux pareil que je voulais tester, un patch, enfin des patchs, mais chaque fois j'oublie, pourtant je le mets devant, mais bon. En dessous, j'ai mis mon coffret des nudes de chez Action, Max & More, là, le coffret que j'avais testé. Bon, voilà, ils ne sont pas topissimes, mais bon, ma foi, ça fait le job. Donc là, j'ai mis mon gel à l'aloe vera, vous savez, indispensable, tous mes pinceaux, voilà, après mes serre-têtes, hein. Donc, au niveau de la tour, voilà, donc là, j'ai mis ce bronzer de chez Too Faced. Il est trop beau. Voilà, mais il est très, très pailleté, vous voyez. Voilà, je l'utilise pas souvent, mais il est tellement beau, je le mets comme ça. Donc là, c'est mes billes de chez Guerlain, et ça, c'est celle que m'a offert Christelle. Voilà, je les mets ensemble. Là, j'ai mis quelques brumes, mon désinfectant pour les mains, là-bas au fond, voilà. Voilà, donc là, j'ai mis les parfums que j'utilise en ce moment. Voilà, donc Le Plaisir, Vanille, Monoi, Gabriel, Chanel, Chloé, le Miss Dior. Bon, là, c'est un parfum à un stick. Ça, c'est à la pivoine, mais ça sent pas très, très bon, je trouve. Celui-là aussi, il est à la pivoine. Ça, c'est ma petite brosse à cheveux. Voilà, et donc là, c'est tous les fonds de teint que je dois utiliser. Franchement, le meilleur de tout, ça, c'est le bébé peau parfaite. Franchement, voilà, rien à dire. Voilà, mais ça, je crois que je vous l'avais montré. Les primeurs, etc., les crèmes que je dois finir, elles sont là. Voilà, après, les produits aussi que je dois terminer. Voilà, donc là, vraiment, c'est tout ce que je dois terminer en premier. Et là, je me suis mis ça pour la suite. Et surtout, je me suis mis ce que c'était parce qu'après, j'oublie. Voilà, et ça, c'est des masques. Hein, voilà, et ça, c'est un produit pour le coup, le décolleté. Ensuite, donc là, je vous ai montré vite fait, je crois. Mais bon, voilà, il y a quelques palettes, les grandes palettes que je ne peux pas ranger dans mon placard ni dans mon tiroir. Ça, c'est la bougie que m'a offert Christelle. Bon, ça, c'est un petit coffret de chez Yves Rocher. C'est Mur Gourmande. J'arrive pas à l'ouvrir. Voilà, vous avez... ça, c'est quoi? La crème pour les mains? Ouais, ça, c'est la crème pour les mains. Vous avez le gel douche. Hein. Vous avez le petit baume à lèvres à la mûre. Et ça, je trouve que c'est un produit nettoyant. Enfin, c'est pas un, ouais, c'est un gel nettoyant, c'est pas un désinfectant. Alors bon, pour le moment, je le laisse là. Donc ensuite, vous avez donc le calendrier Look Fantastique donc, que j'ai gardé. Je vais vous montrer. Donc en haut, là, il y a tous les rouges à lèvres. Hein, les glosses. Mais j'ai acheté des étiquettes, donc il faut que je m'en occupe. Hein, voilà. Vous voyez, là, j'ai mis les glosses. Certains voilà rouge à lèvres, vous voyez, j'ai rangé comme ça, hein, moins, mais ça, tout ça, c'est neuf, c'est des trucs que je n'ai pas encore touché. Voilà, et après, je vais poser le téléphone et je vais vous montrer le The Body Shop. Voilà, donc là, j'ai mis tout ce que j'avais vraiment en backup, poudre,
les palettes, les bronzers, voilà vraiment tout ce que je me suis pas du tout servi, je n'ai pas touché du tout, à part ça. Ça oui, ça je l'ai testé déjà un petit peu, ça avec l'autre en dessous. Mais bon, pour le moment, je n'en sers pas. J'en ai tellement, c'est vrai que... Pardon. Donc, voilà. Pour le moment, j'ai fait comme ça. Pour m'en sortir à peu près au niveau rangement. Voilà, des petites palettes de chez Action. Tout ce qu'on m'a offert en illumineur. Voilà, tout ce que je n'ai pas encore utilisé. Donc, ça, c'est moi qui me l'étais acheté. Je ne l'ai pas encore touché. Franchement, c'est trop beau. Je vais vous montrer. Je vous l'ai déjà présenté, hein. Voilà. Elle est belle, cette poudre. Mais bon, on ne peut pas tout utiliser. J'en ai même une de chez By Terry, quoi, que j'avais acheté en début d'année pour les soldes. Mais je ne peux pas tout utiliser. Voilà pour les rangements. Donc là, vous voyez, c'est des jolies pantoufles que j'ai eues donc à Noël. C'est des pantoufles toutes fourrées. J'essaie de vous montrer. C'est des dîmes. Si vous saviez comme c'est confortable, la semelle, elle est super lourde. Je vais vous montrer. Enfin, lourde, n'importe quoi. Elle est épaisse. Hein, j'arrive pas à vous montrer. Je vais les enlever. Voilà, la semelle est très très épaisse. Hein. Et franchement, on y est trop trop bien. C'est super bien fourré. Et c'est Dim qui fait ça. Je ne savais pas du tout qu'il faisait des pantoufles. Donc ça, c'est un de mes cadeaux de Noël. Donc là, je suis en train de préparer la vidéo qui sort ce soir des produits terminés. En plus, je me suis aperçue que j'avais oublié de vous parler du livre que j'avais fini. Donc tant pis, je vous en parlerai bien évidemment dans le mois prochain. Voilà. Donc ça, voilà, je reporte quelques informations d'une vidéo à l'autre, hein, parce qu'il y a des informations, c'est toujours les mêmes. Les codes promo, tout ça, voilà, et après je les reporte avec l'ordinateur. Vous savez, c'est beaucoup plus facile que de le faire avec le téléphone, je gagne beaucoup plus de temps, voilà. Donc voilà, je finis de préparer cette vidéo, et puis après j'irai faire peut-être deux courses. Et voilà, je vais peut-être vous montrer mes autres cadeaux de Noël. Je vais voir si je peux. Oh, la tête de cette miniature, elle est trop moche. Je vais la changer. Elle est trop moche. Qu'une tête d'ahuri que j'ai dessus, franchement, regardez. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vais continuer à faire ça. Et puis, bah, je vous reprends tout à l'heure. Je vous montrerai mes autres cadeaux de Noël. Bye bye. Voilà ce magnifique diffuseur, il est splendide, vous avez vu, bronze, des petites fleurs bien travaillées. Et ensuite donc au niveau de l'odeur, c'est ça, c'est un parfum d'ambiance, je crois que c'était coquelicot il me semble. Non, c'est pas ça qui est coquelicot, ça je sais pas, je ne me rappelle pas quelle odeur ça a. Parfum de France, je sais que ça sentait bon, mais je ne l'ai pas testé encore, donc il faut le mettre à l'intérieur, vous voyez, et après vous avez la mèche. Donc ça, c'est la première fois que j'en ai et je suis bien contente. Je trouve ça magnifique, hein. Franchement, vous avez vu, c'est beau. Allez, maintenant, je vais vous montrer ce que mon fils m'a offert. La Durance. Vous avez vu ce beau paquet? Alors, donc, à l'intérieur, il y a un parfum d'ambiance coquelicot, donc 100 ml. Et ensuite, une bougie. J'en ai déjà eu une comme ça. Ça sent trop, trop bon. Un régal. Et en plus, elles tiennent vraiment longtemps. Et ça, ben, c'est ma bougie rituelle, ce que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent Look Fantastique. Je l'ai mise là. Voilà. Parce que ça sent tellement bon. Voilà. Ensuite, donc là, on se retrouve dans ma salle de bain. Les éponges de douche que j'ai eues, donc éponges naturelles. Ça, c'est ma maman. Je lui avais demandé parce que, comme je vous avais dit, franchement, j'avais adoré. Donc, elle m'en a pris une comme ça. Bon, je ne l'ai pas lavée encore. Vous voyez, c'est dans le sachet. Hein. J'attends de terminer l'autre, qu'elle soit vraiment abîmée. Donc, franchement, et là, vous avez le site sur lequel, apparemment, on peut en trouver. Bon, je ne sais pas, je regarderai quand j'aurai un moment. Elle est belle, hein, franchement, vous avez vu. Et là, ce côté, vous voyez, ça fait comme des petits pics. Elle est trop, trop belle. Voilà, vous voyez. Éponge naturelle de la mer Égée. Et après, la deuxième, ça m'en a pris deux. Donc, une qui est plus comme ça, plus allongée. Elle est super aussi. Elle est un peu plus celle-là comme celle que j'ai déjà. Voilà, elle ressemble un petit peu plus. Voilà, et là, pareil, vous voyez, c'est la même dimension à peu près. Voilà. J'ai eu un cadeau d'une amie.
Voilà, ça vient d'un spa. Et ce sont des boules de bain. Alors moi, je suis contente parce que justement, je vais pouvoir réutiliser ma salle, ma baignoire. Voilà, des grosses boules de bain. Je suis trop contente. Elles sont énormes. Énormes. Oh là là, je suis trop contente. C'est magnifique. Voilà, je vous montre vite œuf. C'est les trucs qu'il faut que je range. Voilà, tout ça, c'est des calendriers, tout ça. Ça, c'est les trucs de chez Lidl que j'avais acheté. Et puis des calendriers aussi. Mais je viens de voir, je ne vais pas pouvoir vous montrer tout mon stock parce que... Enfin, je vais vous montrer, mais c'est énorme, quoi. Là, voilà, donc là, c'est tout ce qui est masque, soin. Là, j'ai quelques masques, encore quelques produits pour le corps, des produits pour le visage, des gommages. C'est plein. Voilà, tout ça, c'est plein. Il faudrait que je puisse ranger un peu mieux, mais je ne sais pas comment. Il va falloir que j'aille acheter des panières. Je pense que je vais y aller vendredi matin parce que j'ai des courses à faire. Je vais aller à Jiffy, je pense. Et là c'est mes shampoings et après shampoing et soin. Tout est là. Mais j'en ai encore beaucoup dans une autre pièce et c'est dans des boîtes tellement que j'en ai et que j'ai plus de place, quoi. C'est blindé. Bon, ça, c'est tous mes dentifrices. Et là, il y a quelques soins pour les cheveux que j'ai laissés là. Et ensuite, là, vous avez en haut tous mes déos et quelques petits savons. Parce que là, voilà, ça rentre bien. Et là, ben, y a tout mon stock de gel douche, vous voyez. Mais ça peut pas rentrer. J'en ai encore tellement de l'autre côté. Enfin, bon, bref. Donc ça, je vais laisser tomber. Parce que tant que j'ai trop de stock, je ne vais pas pouvoir avancer. Donc, voilà. Ça, je vais laisser tomber. Voilà, donc, ouais, au niveau stock salle de bain, je vais attendre un petit peu encore que ça diminue. Parce que franchement, je ne m'en sors pas. Je ne m'en sors pas, j'en ai trop. Donc oui, promis, pour les soldes, franchement, j'achète plus de gel douche, de shampoing, tout ça, parce que bon, de toute façon, j'en ai trop. Mais ça fait déjà un moment que je n'achète pas. Il n'y a qu'une fois, je suis allée chez Action, j'ai trouvé un fa blanc. C'était Winter, je ne sais pas quoi, vraiment, parce que voilà, ça m'a fait envie. Mais après, CV, je n'en achète plus du tout. Hein. Là, on va faire avec le stock que j'ai pendant un bon moment. Les shampoings, c'est pareil, j'ai déjà de tout. Là, je crois qu'on n'y voit pas très bien la luminosité. Je vais vous montrer, enfin, j'ai terminé le rangement de mon calendrier de l'Avent pour stocker le maquillage. Je vais vous montrer ça de suite et j'ai mis les étiquettes. C'est trop sympa et encore, il me reste deux petites cases de vide. Donc, on verra dans quelques temps. Voilà, pour refaire un petit peu de rangement supplémentaire, je verrai. Mais là, pour le moment, j'ai tout rangé. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, ça fait bien plus propre, hein. Donc, en haut, les rouges à lèvres, donc rosa. Là, je vous montre vite fait quelques-uns. Voilà, il y a ça là. Voilà, là, il y en a d'autres. Il y en a trois de plus. Là, il y a les nudes. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, je pense. Voilà, là. Ensuite, là, il y a du violet mauve. Hein. Ça correspond aux deux. Voilà, il y en a 4, 5. Là, c'est pareil, il y en a deux. D'ailleurs, je peux en enlever de là et mettre là. Du coup, ça fait moins ça bazar. Là et là, c'est des foncés. Voilà, vous voyez, ça, c'est un Fenty. Il va falloir que je m'y mette, hein, les mettre. Ils sont trop beaux. Hein. Fenty, bon, il y a de tout. Hein. Il y a de tout. Ça, par contre, c'est pas du foncé, ça, si. Qu'est-ce que j'ai fait? Il me semblait que c'était un beige clair. Je vais regarder par curiosité parce qu'en force, je ne sais plus ce que j'ai trafiqué. Ah si. Ah ouais, c'est un orangé. Ah ben non, je ne vais pas le ranger là. Je vais le mettre carrément dans la coiffeuse parce que franchement, un orangé, j'en cherchais un justement ce matin. Voilà, je mets là. Ça fera qu'un de plus dans le bazar. Ensuite, donc là, il y a mes gloss, mais j'en ai pas beaucoup parce que vous savez, j'aime pas ça. J'en ai quelques-uns, mais bon, voilà, on verra. Ça, c'est pas mal parce que ça, là, il y a un crayon qui est avec. Donc, ça encore, c'est pas mal. Je m'en servirai sûr. Là, donc, deux cases de baume à lèvres. J'essaie de recentrer un peu la caméra. Oups là. Donc, vous voyez un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a des balmes. Il y a des baumes comme ça. Voilà. Ça. Ça aussi. Et là, qu'est-ce qu'on a? Voilà, là, c'est plus voilà, d'autres comme ça. Bon, ceux-là, vous savez, hein, les trucs comme ça. J'aime un peu moins, même ça, c'est pareil. Parce qu'il faut mettre le doigt dedans. Hein. Bon, je trouve ça génial. Ça, c'est des baumes à lèvres de chez Yves Rocher d'il y a déjà 2 ans. Hein. Va falloir que je les utilise après.
Après, celui que j'ai sur ma tablette de nuit, je vais en prendre un comme ça. D'ailleurs, je vais le mettre parce que je l'ai bientôt fini. Voilà, je le mettrai. Ensuite, là, il y a encore des rouges à lèvres roses. Dans les rosés, voilà. Mesoda, il y a du Action. Il y a du Kiko. Voilà, il y a plein de produits encore. Là, c'est les eyeliners. Donc là, il m'en reste... Ouf, j'en ai pas mal. J'en ai 3, 4... Ouais, non, mais là, il y a un crayon qui n'a rien à y faire, vous voyez. Ça, c'est un crayon qui n'a rien à faire là. Et ça aussi. Bon. Ouais. Donc ça, c'est deux crayons. Et ça, c'est des liners. Des liners, j'en ai 4. Hein, dont un... c'est quoi cette marque-là, Too Faced? Oh, j'arrive pas à attraper d'une main. C'est pas facile. Le Too Faced, il va falloir que je m'en serve aussi. Mais bon, j'en ai tellement d'ouvert que... Donc là, après, il y a crayon à sourcils. Il n'y en a que deux, voilà. Parce que j'en ai déjà deux ou trois en cours, hein, donc c'est bon. Alors là et là, on a des ombres à paupières, mais c'est des monos. Vous voyez, les petites les monos. Ça, c'est des profusions que j'ai eues dans le calendrier de l'Avent. J'ai eu pas mal chez Kiko aussi. Voilà, et puis il y en a qu'on m'avait offert. Hein, Fanny, notamment. Là, j'en ai d'autres aussi. C'est Winnie. Je n'ai pas eu le temps de les... Je vais faire que des conneries, je sens bien. Ça, c'est Winnie. Ça, c'est les marques que Sylvie m'avait offert, Sissi Makeup. Je ne les ai pas tous ouverts. Donc, ceux que je n'ai pas ouverts, je les ai mis là. Là, il y a les blushs qui ne sont pas du tout ouverts aussi. Hein. Donc, ça aussi, je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent Profusion. Il est très beau, celui-là, franchement. C'est bien parce que j'ai pas de place. Hein. Ça, c'était un Nars aussi que j'avais eu. Je ne sais plus où. Ça, c'est le Kiko un peu mat. Celui-là aussi, je l'ai trouvé joli. Donc, je me suis dit, je vais le garder. Et celui-là aussi, il est un peu orangé. Donc, je me suis dit, je vais le garder. Bon. Après, là, on a des contours des yeux. Mais ça, des contours des yeux, j'en ai plusieurs boîtes. Hein. Voilà, ça, j'adore ça. Je suis comme Christelle. J'adore les contours des yeux. Bon, là, il y en a qu'on m'a offert. Il y en a que j'ai eu dans des box. Ça, c'est les illuminateurs. Bon, ça, j'en ai pas beaucoup de passes. Hein, parce que c'est vrai que j'en mets pas souvent, des highlights. Et là, c'est une petite boîte, un petit truc que j'ai eu aussi dans la box Look Fantastique. Ensuite, là, on a tous mes mascaras. Donc ça, c'est un échantillon du nouveau chez Sephora. Il y a le Miss Sporty, il y a du Kiko, il y a de tout. Ça s'accroche. Il y a de tout. Vous voyez, il y a du Too Faced, il y a du Lancôme. Celui-là aussi, il me tarde bien de l'utiliser. Mais bon, vous voyez, j'en ai tellement. J'en ai pour toute une vie. Quoi. Même celui-là, là, le Better Van Sex. J'en ai à profusion. Je vais essayer de tout ranger comme c'était. Voilà. Non. Voilà. Après, là, j'ai les crayons pour les yeux. Donc là, j'en ai quand même quelques-uns. Il y a des Kajal. Voilà, bon, il y a un peu de tout, hein, mais c'est surtout du noir. Ensuite, là, on a encore des contours des yeux. Vous voyez, il y en a encore. C'est plein. Hein. C'est plein. Voilà. Là, encore des contours des yeux. Mais bon, j'en ai eu aussi pas mal avec mes partenariats Sylvana, etc. Voilà, il y en a quelques-uns. Celui-ci, c'est des partenariats. Ça, c'est, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Chez Action, ça m'a plu, cet effet bille, là. Celui-ci, c'est un que j'avais acheté déjà il y a un petit moment. Et voilà, il me faudrait le finir, mais bon. Ensuite, base à paupières. Hein. Voilà, là, il n'y en a que deux. Voilà, ça, c'est bon. On en fait toute une vie. J'en rachèterai pas d'un moment. Et là, il y a des sérums. Voilà, des petits sérums. Celui-là, c'est un anti-rougeur. Mais bon, je ne l'ai pas trop aimé de chez Garancia. Je ne trouve pas trop efficace. Celui-ci, je l'ai eu dans la Look Fantastique. Et ça, c'était dans le calendrier de l'Avent aussi, Look Fantastique. Et ça aussi, celui-là, il me tarde. Le Shiseido. J'ai jamais rien eu de cette marque. Et celui-ci et celui-ci, ben, c'est vide. Hein. Il n'y a rien pour l'instant. Voilà. Et coucou. Aujourd'hui, on est jeudi. Donc là, je file à fond chez le coiffeur. Je crois que je vais être un peu en retard. Bon, c'est pas très loin, mais bon. Voilà, donc on va voir ce qu'on fait. Bon, on va pas couper, hein, mais ouais, je vais refaire les mèches, la patine, voilà, pour être un petit peu plus blonde de nouveau, puisque bon, ça part assez rapidement. Le blond polaire, j'arrive pas à le tenir. Je comprends pas.
Bon, voilà, donc déjà ce matin, la matinée, elle va être direct chez le coiffeur. Voilà, je vais rien faire de plus. Allez, donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Bye bye. Et recoucou. Voilà, ça y est, je sors de chez le coiffeur. On a accéléré le rythme parce que cet après-midi, il me faut partir. Donc, je ne pouvais pas rester trop longtemps. Donc, elle m'a mise un petit peu sous l'appareil. Et je suis bien contente de la couleur. Donc là, elle m'a fait une patine un petit peu plus... qui penche un petit peu plus vers le gris. Mais bon, voilà, j'adore. Franchement, elle me fait toujours des trucs super. J'adore Sandrine, ma coiffeuse. Voilà. Donc, ça y est, c'est fait. J'ai acheté des sandwichs à la boulangerie pour aller plus vite, pour manger rapidos. Et puis, voilà, cet après-midi, on a un rendez-vous à 14h. Donc, voilà, au moins, on a un petit peu de route. Et puis voilà, donc si je peux, ben, je vous reprendrai fin de journée, voir ce que j'ai fait d'intéressant, ce que je vais faire de plus à la maison. On est déjà jeudi, demain ben, c'est le réveillon, demain matin j'ai des courses à faire. Et puis voilà, je voulais me faire les ongles, mais bon, je n'ai pas le temps. Surtout que là, je voulais essayer de faire le baby boomer, hein, mais bon, je suis confiante, pas trop, mais bon. Voilà. Bon, mais écoutez, je vous laisse tranquille. Je vais bientôt arriver à la maison. Je vous embrasse très, 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 très fort. Et je vous dis sûrement à tout à l'heure ou à demain. Bye bye. Bonjour à tous. On est vendredi 31. Allez, donc, je sors des courses. J'ai fait quelques petites courses pour ce soir que je préférais donc acheter comme la bûche, par exemple, au dernier moment. Voilà, j'ai acheté deux petites bricoles. Hein. Voilà, bah, écoutez, rien de plus. Je vais me préparer pour ce soir. Je voulais m'acheter une petite tenue un petit peu disco parce que apparemment c'était le thème de la soirée. Je me suis trouvé un petit short à paillettes. Je mettrai des Santiago, n'importe quoi. Des cuissardes. Hein. Voilà, je mettrai ça avec. Et puis je vais essayer de voir si j'ai un petit haut un peu brillant ou je sais pas trop. J'ai pas trop ce genre d'accessoires en fait, ce genre de haut. Je vais voir ce que j'ai. Voilà, pour agrémenter un petit peu la tenue. Et puis, ben, on va faire ça tranquillement, voilà, chez des amis ce soir. Hein, et puis demain, ben, voilà, on sera déjà l'année prochaine. C'est la folie. Donc, je vous reprenais peut-être aujourd'hui. Je ne vous ai pas montré encore tous mes cadeaux qui me restaient. J'avais eu de Noël. Il y a deux petits trucs que je ne vous ai pas montrés. Et puis, voilà, on verra après, suivant le moment de la journée. Allez, je vous embrasse et je vous dis à plus tard. Bye bye. Coucou. Donc, on est toujours vendredi. Je vais vous montrer les deux porte-clés que j'ai eu à Noël en cadeau. Alors, donc, je vous tourne la caméra. J'ai eu donc, voilà, comme vous voyez, un Tamagotchi. J'ai un peu oublié comment ça en sert. J'essaie de regarder la notice, mais bon, c'est écrit en anglais. Donc, je vais regarder s'il n'y a pas des tutos sur YouTube. C'est vrai que ça fait un moment que j'avais complètement zappé. Et ensuite, j'ai eu un joli porte-clés donc avec un diamant, un YND, un talon aiguille. Il était trop beau cet escarpin. Magnifique. Voilà, j'ai eu deux jolis porte-clés. Donc je suis trop contente. C'est génial parce que c'est très original. Voilà, voilà. Et après, ben oui, vous voyez, c'est le bazar sur ma coiffeuse, encore une fois. Je vais ranger maintenant. Ensuite, je me suis fait un baby boomer. Je suis trop, trop fière de moi. Avec des rallongements en gel. Franchement, je suis trop, trop, trop contente. Bon, il y en a qui ne sont pas parfaits, parfaits. Mais franchement, pour le premier que je teste, je suis vraiment très contente. Alors, je ne sais pas si vous allez bien me voir. J'essaye de bien me mettre au jour. Voilà, franchement, je suis trop contente de moi. Je suis fière. Voilà, c'est vraiment très joli. Et coucou. Bon, j'ai commencé à me préparer, donc je vais mettre un petit débardeur. Mais je voulais une chemise, mais celle que j'ai, ça va pas, je vais voir. Donc, mon petit short à paillettes que j'ai acheté chez Tali Jelly, que je sais plus comment on dit. Voilà, petit short tout simple à paillettes. J'ai mis des collants avec des petits brillants. Bon, je vais pas mettre mes pantoufles, hein. Je ne vais pas mettre ces pantoufles. Hein. Voilà, hein. Vous vous doutez bien. Je ne sais même pas ce que je vais mettre comme chaussures. C'est la panique. Hein. C'est la panique. Bon, ben voilà. Écoutez, je me suis mis cette petite chemise hein, avec mon petit débardeur dessous. Voilà, je me suis fait un petit make-up. Je vais vous montrer mon petit short, comme j'ai dit. Voilà, je vais mettre des petits baskets pailletées argentées. Et puis, ça fera l'affaire.
Voilà, donc je me suis fait le liner en pointe. Hein. Ça va, c'est pas trop mal. Franchement, pour une fois, je n'ai pas trop raté. Voilà, je fais un maquillage assez festif quand même, avec des paillettes argentées. Voilà, un petit rouge à lèvres rouge mat. Voilà, je me suis mis les cheveux sur le côté avec des barrettes. Hein, et là, j'ai fait pareil. Voilà, pour faire une coiffure un petit peu, pour changer, quoi, voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous embrasse tous et tout temps. Je vous souhaite de passer un très, très bon réveillon. Surtout, faites attention, ne buvez pas trop. Et surtout, au moins, ne prenez pas la voiture. Surtout. Allez, je vous embrasse très, 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 très fort. Et on se dit à l'année prochaine. Bye, bye. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon réveillon. Profitez du moment présent. Et on se retrouve demain pour se souhaiter la bonne année. Bye, bye. Bonjour à tous et à toutes, nous sommes dimanche 2 janvier. Hier, j'ai manqué à tous mes devoirs, j'étais tellement crevée, j'ai passé la journée au lit à dormir ou à lire ou à regarder Netflix. Donc, j'étais vraiment crevée. Donc, je tenais absolument aujourd'hui à vous souhaiter une très, très, très bonne année. Surtout la santé, vraiment, c'est le plus important. Et puis, bien ensuite, écoutez, évidemment, que du bonheur. De l'argent, forcément, du succès. Voilà, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et en espérant eh bien, que cette année, on arrive à éradiquer ce Covid, parce que là, ça va faire bientôt 2 ans. Allez, donc voilà, je vais me préparer vite fait. Aujourd'hui, donc c'est dimanche, on va quand même bouger un petit peu et aller faire un coucou et une bonne année à la famille. Hein. Alors, donc, je ferai donc une vidéo rétrospective 2021 avec les projets, voilà, tout ce qui va se passer un petit peu sur la chaîne, voilà, des petits trucs. Donc, je ferai une petite vidéo là-dessus qui sortira donc, eh bien, forcément dans la semaine, parce que le vlog, donc, je vous le mettrai dans la semaine. Et donc, cette vidéo sortira aussi dans la même semaine. Ah si, hier, le seul truc intéressant que j'ai fait, c'était de me mettre sur l'ordinateur. Et de préparer, j'ai commencé à préparer un livre photo que j'ai commandé sur Groupon avec la couverture rigide en format A5, à peu près 40 photos. Et je l'avais payé vraiment pas cher du tout en passant par Groupon. Franchement, ça vaut le coup. Et en fait, ça va sur le site Printerpix. Il me semble que c'est bien ça le nom. Voilà, vous pouvez choisir les thèmes. Après, bon, suivant ce que vous choisissez, ce que vous rajoutez, vous payez en plus évidemment. Là, le livre de base, sans rajout particulier, fait à peu près d'aller 31 euros, je crois. Mais bon, du coup, moi, quand je mettrai mon code de réduction, du coup, je ne le paierai pas. Sauf si je rajoute des choses. Mais bon, après, moi, comme je fais du scrap, je rajoute des choses après, du texte, des petites images, les annotations, tout ça. Moi, je le rajoute après moi-même. Voilà, donc si j'ai commencé à faire ça, parce qu'en fait, j'avais des photos encore de 2015, ouais, que je n'avais pas développé. Donc, voilà, je me suis décidée et maintenant, je ferai tout le temps comme ça. J'achèterai toujours des livres photos et ensuite, voilà, je ferai les montages et je mettrai les photos dans le livre parce que c'est vrai qu'après, moi, personnellement, je ne les regarde pas. Voilà. Donc là, au moins, je vais m'obliger à les regarder. M'obliger, enfin, c'est pas que j'ai pas envie, mais voilà, parce que si j'allume l'ordinateur, je ne pense pas regarder les photos, quoi. Hein, voilà, tout simplement. Voilà, donc là, aujourd'hui, j'ai mis, ben, comme d'hab, ben, en ce moment, de toute façon, c'est mon préféré, je vous l'ai déjà dit, le bébé peau parfaite, hein, voilà. Donc, je vais faire un petit maquillage assez simple, hein, parce que bon, on est dimanche, je ne vais pas trop exagérer. J'ai voulu essayer les paillettes profusion que j'ai eues dans le calendrier de l'Avent. Donc, j'ai rien mis, j'ai mis juste de la base à paupières. Voilà, ça fait tout mignon, tout simple, très léger. Voilà, je vais faire un trait de liner et je pense que ça sera tout. Bon, mais voilà, écoutez, je me suis préparée. Vous voyez, j'ai fait mon liner. Je n'ai pas fait trop mal. Franchement, je commence à m'améliorer. Voilà, un tout petit peu de gloss de chez NYX. Voilà, j'ai mis un petit peu de blush. Le Ciaté, celui-là, ça faisait un moment que je ne l'avais pas mis. C'est celui qui est marbré. Vous voyez, c'est celui-ci. Il a une main pas facile. Vous voyez, il est comme ça. Il est trop beau. Ça fait un effet un petit peu nacré aussi, il est trop beau.
Voilà, donc j'ai du monde qui arrive. Donc je suis prête, ça tombe pile poil. Voilà, je vais finir vite fait de faire mon lit. Voilà, j'ai aéré. Et puis voilà, je suis prête pour une dimanche. Allez, je vous embrasse très 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 fort et à plus tard. Bonjour à tous, on est lundi 3 janvier et c'est la reprise. Alors comment vous dire que la reprise elle est dure? Mais alors dure. Déjà j'ai commencé à 7h, donc du coup je me suis levée à 5h30. Évidemment hier soir, pour m'endormir, ça a été très compliqué. Ce matin, réveillée très très tôt. Et comment vous dire que dès que je suis arrivée au travail, 7h du matin on a ouvert jusqu'à... Normalement je finissais à 13h, bon, je restais un petit peu, mes collègues m'ont engueulé, m'ont dit non mais va-t'en, de toute façon tu pourras rien y faire. On a eu la queue, mais jusqu'à ce que je m'en aille, il y avait la queue à l'extérieur du laboratoire. C'est la folie, la folie. Je me suis juste levée, je crois que c'était vers 10h pour aller faire pipi, parce que là je me suis dit c'est pas possible, tu vas avoir mal au ventre tellement que tu attends. J'ai même pas bu un café. Enfin bon, c'est la folie. Donc voilà, je dis courage à tous mes collègues masculins, féminins, peu importe, dans le médical et dans tous les laboratoires d'analyse. Je vous souhaite vraiment bon courage. Voilà, faut se soutenir et c'est vraiment un moment très 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 difficile. Très très difficile malgré la troisième vaccination. Je comprends pas. Bon, enfin soit, donc là vous voyez, j'ai fini, c'était un petit peu plus de 13h. Je suis allée faire quelques courses parce qu'évidemment dans le week-end on a mangé des trucs. On a fini des yaourts, il n'y a plus de yaourts à manger. Je me suis pris une petite salade pour grignoter parce que bon voilà, j'ai pas mangé non plus. Voilà, donc là je vais rentrer, je vais manger doucement, tranquillement pour me calmer, m'apaiser. Et puis je vais me poser, je pense, un petit peu. Et je vais voir si je peux commencer à ranger la salle de bain. Je vais d'abord commencer à ranger les masques. Hein, et puis on verra après. Hein. Donc je vais manger tranquillou. Et puis je vous reprends tout à l'heure. Suivant ce que je fais. Mais je pense que je vais commencer à ranger les masques. Et je vais vous montrer tous mes masques tissus. Hein, voilà, les masques. Après les masques crème, ça aussi c'est rangé au même endroit. Je vous les montrerai aussi. Et puis voilà. Et ce soir j'ai yoga. Vous pouvez pas savoir comme je suis contente, ça va me faire un bien fou. Allez, je vous laisse ça et puis je vous reprends tout à l'heure. Je sais pas si vous voyez derrière moi, c'est chez moi là dans la campagne. Vous voyez un petit peu de vert, voilà, c'est tout beau. En plus, il fait un joli soleil, c'est encore un peu humide, mais il fait vraiment un très très beau soleil avec la verdure partout, les arbres, les pins. Voilà, c'est super agréable. Heureusement que j'ai ça et ça me déconnecte complètement du travail, de la ville. D'habiter à la campagne, vraiment, c'est bien. C'est vrai qu'on a du trajet, c'est vrai qu'il faut partir plus tôt, mais franchement, il n'y a pas photo, quoi. Allez, je vous embrasse et je vous dis à tout à l'heure. Bye bye. Bon, mais ça y est, je viens de terminer de manger. J'ai récupéré dans une grande bassine tous les masques, donc masques tissu. Masque visage, donc crème, les scrubs aussi. Voilà, je vais tout vous montrer et je vais voir si après je peux ranger tout ça après dans le placard, mais je vais quand même trier un petit peu, je vais vous montrer. Et là, je vais vous montrer des patchs pour les yeux que j'ai testés hier. Bon, je vais vous les montrer parce que franchement, je ne suis pas trop contente. Donc, bon, à la limite, si ça peut vous éviter de les acheter, s'ils ne sont pas top, je vous montre ça tout de suite. Alors, c'est ces masques-là, donc IDC Institute, masque pour les yeux aux chambres, anti-fatigue, voilà, ben justement, bon, pour une fois, j'ai voulu attendre un petit peu pour voir les effets, et bon, ben, j'ai rien trouvé de particulier, voilà. Bon. Donc, ce sont des masques en espèce de... je sais pas comment on dit, une espèce de cellulose, là, fait un... Oh, j'arrive pas à trouver le mot. Ben, en gélose, hein, vous voyez là que ça, c'est tout mou, là, en silicone un peu. Ils étaient très, très bien imprégnés, par contre. Bon, et là, maintenant, ils sont secs, hein, puisque ça fait un jour ou deux qu'ils sont là. Je voulais vous les montrer. Hier, déjà, j'ai oublié. Mais bon, voilà, je ne suis pas trop contente. Hein, franchement, au niveau de l'effet, après, c'est agréable. Hein, mais moi, ça me picotait légèrement, par contre. Et voilà, et je n'ai pas trouvé de super effet. Alors peut-être qu'ils sont périmés aussi, hein. Figurez-vous que ça, j'ai pas pensé à regarder.
Non, il n'y a pas d'indication. Non, vous le voyez en clair là en plus, mais non, il n'y a pas de date de péremption. Voilà, allez, maintenant je vous montrer les masques. Bon, mais voilà, je me suis installée sur le lit, hein, ce sera beaucoup plus facile. Hein. Alors, dans une trousse, j'ai mis tout ce qui était cristaux de bain. Voilà, petite bombe de bain, tout ce que j'ai eu dans les calendriers. Celle-ci, j'ai une petite boule. J'ai une coconut bath bubble. Voilà, tout ça c'est pour la baignoire. J'en ai encore une autre comme ceci de chez Le Fantastique. Voilà, mais j'en ai une autre ailleurs, mais je ne sais pas où elle est. J'ai dû la laisser dans mon stock encore avec les gels douche, tout ça. Voilà, donc ça, je l'ai mis dans une petite trousse fermée. Voilà, donc ça, je vais le mettre donc, dans mon autre pièce parce que dans la salle de bain, ça ne rentrera pas. Alors ensuite, donc, j'ai récupéré ce petit portoir, hein, si on peut dire. Et du coup, je pense que je mettrai sûrement les masques dedans. Alors, j'ai fait des trouvailles dans ma panière, franchement. Je vais vous montrer ça, mais je vais mettre la caméra plus vers en bas. Comme ça, vous n'avez pas besoin de me voir hein, pour faire ça. Alors, donc, j'ai trouvé ce masque peel-off point noir de chez Sephora. Ça fait un moment que je l'ai. Hein, je ne l'ai toujours pas utilisé. Donc, je le ressors comme ça, au moins, je vais l'utiliser. Après, ça, c'est Instamask de chez Nuxe. Masque détoxifiant éclat, rose et charbon. Donc ça aussi, franchement, je tarde de le tester. Franchement, j'adore. Donc ça aussi, je me le mets devant. Ça, c'est une crème de jour purifiante. Ça, je crois que je l'ai sur YesStyle. Mais pareil, je vais me le mettre sur ma coiffeuse. J'ai trouvé d'ailleurs un sec à lèvres de chez Mixa. J'ai trouvé un truc comme ça. Mais je ne sais pas s'il n'est pas périmé. Franchement, il faut que je regarde. Je ne trouve pas de date. Hein. Donc, bon, après, il n'est pas ouvert. Hein. Je verrai. Ensuite, j'ai trouvé ces masques-là. Ceux-là, je vous en avais déjà parlé. Je les avais achetés chez Leader Price à l'époque. Donc, là aussi, celui-là aussi. Tu aussi, ils sont très, très bien. C'est des masques hydratants. Et pareil, au niveau de la date de péremption, bah écoutez, je ne trouve rien. Donc, j'en ai trois comme ça. J'en ai trois. Donc, ceux-là aussi, il faut que je les utilise rapidement. Après, j'ai retrouvé un demi-masque macaron. Je ne sais pas si vous allez bien me voir. Je vais vérifier dans un petit moment si je filme bien quand même. Voilà, donc ça, c'est la moitié de masque. Et ça, je crois que c'est un peel-off, ouais, peeling. Alors ça, c'est vrai que j'aime pas trop. Je vais regarder donc au niveau pareil des dates, mais il n'y a pas de date, c'est un truc de fou. Hein. Bon, on verra bien. Après, il y en avait un camomille miel. Alors ça, c'était très bien parce que ça purifie, ça nettoie. Ça aussi, c'est très très bien. Ça aussi, je vais me le mettre dans les masques à utiliser donc rapidement. Et ça donc, c'est la crème, non c'est quoi ? Une pâte peeling assortie à la crème de jour que j'avais là pour traiter, purifier la peau. Donc ça aussi, je vais le mettre ensemble. Donc là, je me fais mes petits masques à utiliser rapidement. Donc tous les jours, il faut que j'essaie d'en faire. Hein, parce qu'il y en a, c'est des masques hydratants, il y en a, c'est des masques nettoyants. Voilà, donc tous les jours, je peux changer et voilà quoi. C'est cool, mais il faut que je le fasse. Ensuite, ce que j'ai en cours. Donc, j'ai le fraîchier à gommage visage aux graines de kiwi. Donc, c'est un gommage visage, hein, mais il est totalement nul. Vraiment, c'est trop gélatineux. On n'a pas l'impression que ça nettoie. Il y a des graines, mais ils sont pas, c'est nul. J'avais acheté ça chez Stokomani. J'ai beaucoup de mal à le terminer, mais il va falloir hein, parce que j'ai envie que ça dégage de mon placard. Je n'en peux plus. Donc, ça, en priorité aussi, à terminer. Ensuite, j'ai celui-ci, le Face Scrub Coconut. Donc, celui-là aussi, c'est un masque style charbon un peu. Hein. Bon, il est nul. Franchement, je trouve pas trop d'intérêt à ce masque-là. Je vous remontre un peu mieux quand même. Voilà, donc ça, voilà. Ça aussi à finir parce qu'il en manque pas beaucoup. Après, ça, c'est des trucs que j'ai pas encore commencé. J'en ai là. Alors, décommencé.
J'ai ce masque-là, c'est Feed Your Face. C'est de chez Revolution. Revolution Beauty. Voilà, je vous montre le dessus. Donc, c'est un masque qui sent très, très bon le chocolat. Il y a beaucoup de grains. Je vais vous le montrer parce que, bon, je ne l'ai pas fini, mais il n'en manque pas non plus énormément. Ouais, il en manque, ouais, il y en a la moitié quand même. Vous voyez, ça fait un peu dégueulasse, hein, franchement, la texture. Mais ça sent ultra bon le chocolat. Et vous avez des petits trucs à l'intérieur, comme ça, comme des pépites de chocolat aussi, voilà. Et voilà, il faut badigeonner ça sur le visage, il faut le laisser poser. Et c'est un masque hydratant. Bon, alors, j'ai pas trop remarqué hein, que ce soit hydratant. Mais vu que ça sent bon, c'est assez agréable. Voilà, bon, ça aussi, c'est un masque à finir. Hein. Après, dans ce qui est ouvert, j'ai celui-ci, ce masque, la rosée. Alors, je ne sais pas si vous allez bien me voir parce que c'est rose clair et c'est écrit blanc. Donc, franchement, ce n'est pas évident. Donc, c'est un masque, je vous le dis, la rosée, Paris, masque en stick, régénérant 3 en 1, à l'argile blanche pour les peaux sensibles. Made in France, 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc, il est très bien. Il purifie les impuretés, les toxines, etc. Voilà. Pouvoir réparateur. Donc, ça aussi, je vous montre comment c'est. Donc, vous le dévissez. Et ensuite, voilà, c'est un stick, vous le montez. Voilà, vous voyez sur le côté, là, ça, c'est de la matière. Voilà. Vous enlevez le plastique dessus et voilà. Après, celui-là au thé vert, je ne l'ai jamais ouvert encore. Pareil, je l'avais acheté en même temps que l'autre au chocolat. Sur Evolution Beauty, c'est un masque exfoliant. Donc, dès que j'ai fini le truc nul, là, le gommage, il faudrait que j'utilise celui-là. Bon, après, il n'est pas ouvert, hein, donc c'est déjà bien. Après, dans les masques ouverts, j'ai celui-ci. C'est un masque calmant. Ça, je l'avais sur YesStyle, je crois, ou Stylevana, je ne sais plus. Ouais, c'est au masque au thé vert aussi. Et je l'avais testé une fois ou deux. J'avais trouvé que c'était pas très... Voilà, c'était pas trop mal. Voilà, c'est celui-ci. Voilà, c'est un aspect un peu vert aussi, argileux. Ça sent très bon, hein, par contre. Voilà, ça sent le thé vert. Ça sent très bon. Donc, celui-là aussi, je l'ai ouvert. Donc, faudra l'utiliser. Après, qu'est-ce que j'ai d'ouvert? Eh bien, j'ai rien d'autre, je crois. J'en ai d'autres là. Attendez, là. Non, après des non, après j'en ai pas des ouverts. Alors, donc dans tous les masques neufs que j'ai, donc j'ai acheté celui-ci il y a un petit moment aussi, c'est un Evoluderm à l'argile purifiante. Bon, à l'argile c'est bien, ça purifie, ça nettoie en profondeur. Il est operculé, donc ça c'est cool parce que ça fait un moment que je l'ai acheté. Je crois que c'était chez Stokomani. 2023, décembre 2023, donc ça j'ai encore le temps, c'est écrit dessus, ça c'est sympa par contre. Après, ça c'est un face scrub que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de chez Spa, je crois. Non, c'est un truc que j'avais acheté chez Jiffy, je crois. Ouais, celui de chez Jiffy, face scrub. Après j'en ai eu un autre chez Action, voilà, mais ça c'est totalement neuf aussi. Ensuite, je ne sais même pas où mettre les choses parce que je ne sais même pas comment je vais arriver à ranger. Après, j'avais acheté ce peel-off. Alors, pourtant, j'aime pas les peel-off, mais celui-là, il m'a fait envie. J'avais acheté ça chez Noza. Il est gros en plus quand même. Il fait combien celui-là? Je ne sais pas. C'est écrit devant. Ouais, 100 ml. Et je ne l'avais pas acheté trop cher. C'est au concombre. Et c'était ouais, chez Noza. Donc, franchement, ça devait être un prix chez Noza ou Action. Je ne sais plus. Pourtant, j'aime pas les peelings. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Après, ça, c'est de la marque Bell & Smith. C'est un exfoliant concentré au BHA. Donc, ça, c'est pour le visage aussi. Donc, ça, j'ai le temps, hein, puisque c'est pas, voilà, c'est pas ouvert hein, du tout. Ça, c'est un masque aussi facial que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de Spa, de chez Action. Donc, je l'ai eu là, donc ça, c'est pas pressé. Après, ça, c'est un masque visage à la manga. Voilà, bon, c'est très très gélatineux. Je l'ai testé une fois en croyant que c'était un gommage. Hein. Je n'avais pas fait attention. Voilà, donc ça aussi, il va falloir que je l'utilise parce qu'il est ouvert. Après, j'avais acheté de chez Lyrène, de la marque, oui, Lyrène Natura.
C'est un éco-peeling. Donc, je ne sais pas ce que c'est un éco-peeling. C'est au thé blanc, je sais. Et ça a 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Ça m'a plu, le packaging, il est trop beau. Et j'avais acheté ça, oui, chez Noz. C'est un masque gommant. Voilà, gommage naturel, appliqué 2-3 fois par semaine. Je croyais que les gommages, c'était une fois par semaine. Oui, 1,39€, je n'avais pas payé cher. Je ne l'ai jamais ouvert. Après, j'ai acheté ça aussi chez Noz. C'est au thé vert antioxydant, sans panthénol. C'est un peel-off, masque peel-off. Je n'ai toujours pas utilisé encore ça. Bon, on verra. Ensuite, ça c'est un masque facial polisher. Gommage lissant visage. Donc ça, je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent Look Fantastique, il me semble. Bon, mais ça, il n'y a pas le feu non plus. Hein, mais je crois que je l'ai testé l'autre fois, non? Non. Ah non. Ah non, il y a encore l'opercule. Non, c'est pas celui-là. Alors. À force, je ne sais plus. Donc ça, c'est totalement neuf. Donc ça, j'ai le temps. Ça, c'est un nettoyant visage. Donc ça, ça n'a rien à faire là. Ça, je vais me le mettre dans la coiffeuse. Après, c'est quoi ça? Un face wash. Donc ça aussi, ça n'a rien à faire là. C'est pour le nettoyer le visage. Et ça, c'est une crème de jour. Ça n'avait rien à faire là. Ensuite, j'avais eu cette crème-là. Enfin, c'est un masque hein, hydratant pour purifier, équilibrer et lisser la peau de la marque Espa. Clean and Green. Donc ça, c'était mon cadeau du 25 décembre sur la Look Fantastique. Bon, j'aurais préféré avoir autre chose, mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc c'est un masque comme ceci. Voilà, ça sent très fort l'argile et le thé vert. Donc franchement, ça a l'air très très sympathique. Bon, ça du coup, je l'ai ouvert, mais bon, c'est pas operculé. Hein. Ça, par contre, c'est embêtant. En plus, c'est un gros contenant, donc franchement, j'en vais en avoir pour un moment. Hein. Ensuite, j'avais acheté un lot de 3 masques sur le site de The Body Shop quand j'ai commandé mon calendrier de l'Avent. C'était une promo. C'était un lot de 3 masques avec un bandeau pour se tenir les cheveux, si je me souviens bien. Et donc, ça, c'était en promo. C'était à 5€, je crois, au lieu de, je ne sais plus, de 15 ou 18, je ne sais plus trop. Voilà, si on achetait autre chose, on avait ça qui était bien moins cher. Donc là, j'ai un masque gommant illuminateur au ginseng et au riz. Voilà. Bon, je ne les ai pas testés, il ne me semble pas. Hein. Je ne me rappelle pas en avoir utilisé. Celui-là, il sent bon. Ginseng et riz. Il sent bon. Hein. Moi, c'est un illuminateur, celui-là. C'est des petits pots de 15 ml. Après, j'en ai un masque purifiant éclat au charbon de l'Himalaya. Donc, c'est celui-ci. Ça sent très, très bon. Ça, c'est une odeur verte, fraîche. Ça sent super bon. Oh, franchement, ça me donne trop envie de les tester, ceux-là aussi. Mais j'en ai tellement. Et puis, bon, comme il faut faire attention de ne pas en faire tous les jours. Bon, après, tout dépend. Si c'est un masque hydratant, si c'est un masque de ci, masque de là, il ne faut pas faire la même chose. Mais bon, après, je pense que ça agresse la peau aussi. Après, c'est un masque frais repulpant. Celui doit être à la rose, hein, comme il est rose. Ben ouais, ça fait un masque un peu gelé. Je ne sais pas si vous allez voir, vous voyez là. Voilà, il est très, il sent très bon. C'est très très agréable, franchement, je ne regrette pas de les avoir achetés. Bon, ensuite, on va passer au vif du sujet. Donc, tous les masques. Attendez, parce que vous allez être servi. Je vous pousse un peu. Alors, un masque, j'ai encore retrouvé ça. C'était un lot que j'avais acheté chez Action. Ouais, c'est compliqué, hein. Donc, il y en a au chocolat, à la fraise. Ça, je ne sais pas quoi c'est une méduse. De l'avocat. Ouais, un minéral, je ne sais pas quoi. Bon, ben voilà. Donc, ça aussi, hein, à utiliser. C'est totalement neuf. Ensuite, j'ai retrouvé encore un masque comme ça. J'avais fait un TikTok, je crois, avec ça. J'avais montré comment s'en servait. Et c'est sympa, hein, parce qu'il faut le préparer. Donc, c'est sympa. Donc, ça aussi, vous voulez que je les mette dans les masques à faire en priorité aussi. C'est compliqué, hein, franchement.
Donc ça va passer avec les autres. Je vais m'obliger à faire ça. Mais c'est vrai que je préfère les masques en tissu. Franchement, c'est tellement vite fait, vite posé, vite nettoyé. Et voilà, mais bon. Après, j'ai trouvé encore des masques comme ceci. Ceux-là, j'en avais acheté plusieurs. Donc, un au litchi et au lotus. Et un au bambou et au thé vert. Voilà, donc c'est des masques crème, quoi. Vous voyez, il y a un petit truc dedans. Voilà, mais ça aussi, il faut le faire. Bon, après, c'est pas pressé. C'est des petits sachets comme ça. C'est pas bien grave, hein. Ensuite, aux fruits. Donc ça, je les avais achetés. Ceux-là, je ne sais même plus où. Chez Maki Boti, peut-être. Donc, un à la banane et un aux noisettes du Brésil. C'est un autre nom, je ne sais plus. Noix de pécan, peut-être. Quelque chose comme ça. Donc ça aussi, ça fait un moment. Il va falloir que je les teste. Après, j'en ai un comme ça à la pêche de chez Action. Un qui fait des bulles. Ça aussi, c'est sympathique, hein. Après, qu'est-ce que j'ai au beurre de karité? Ça, c'est chez Noz, quand il y a les étiquettes jaunes. Après, celui-là, il a l'air d'avoir pris cher. Alors, peut-être qu'il est périmé. C'est un masque aussi que j'avais acheté chez Action. Ah non, mai 2022, pour une fois qu'il y a la date. Donc, c'est ça, vous voyez. À la coco, il y a peut-être de la fleur de tiare, on dirait un dessin. Ouais, coco. Masque visage au monoï, voilà. Donc, 12 minutes, pareil, c'est des masques qui sont en crème. Hein. Et ils sont bons, oui, celui-là, il est bon jusqu'à mai 2022. Bon, mais ça, j'ai le temps encore. Hein. J'aurai le temps de retrier d'ici là. Le problème, c'est que pour ranger, je ne sais pas comment faire. Ensuite, j'avais acheté ce kit de plusieurs masques. Voilà, il y a plusieurs choses à faire dans une journée, vous voyez. Donc, il faut commencer par le 1, body wash. Voilà, ça, c'est quand on s'en va quelque part. Ça peut être pratique. Comme ça, on a tout dans un petit livret. Comme ça, c'est très, très, très sympa. Bon, pour le moment, c'est vrai que j'y pense pas m'en servir. Mais bon, vu qu'on n'est pas parti en vacances ni rien. Mais en plus, ça expire 8 juin 2021. Oh, mince. Bon, ben, du coup, vous voyez, on va faire du tri en même temps. Poubelle. Après, des masques comme ceci. Ça aussi, c'est des masques tissus pour la nuit. Pardon. Des masques pour les yeux. Vous voyez, ça fait comme un petit bandeau. Ça, c'est vrai que j'y pense pas non plus à le sortir parce que j'en ai d'autres que j'avais sur YesStyle. Pour les yeux fatigués, il en a gardé 15 minutes. Ouais, ça apaise les yeux fatigués, etc. Donc là, par contre, au niveau de la date, je ne le vois pas. Il n'y a pas de date. Allez, donc ça, je vais ranger avec les petits masques. Ensuite, celui-ci au bambou que vous connaissez de chez Action. Ça, c'est un masque après soleil. Donc ça, c'est pas pour le moment, ça c'est sûr. Je vais le mettre au fond. Voilà, j'ai ma panière ici. Je sais pas comment... Ouais, pour vous montrer, c'est pas facile. Voilà, peut-être que ça ira mieux. Ensuite, un masque à la perle et à l'arbutine. C'est un illuminateur. Pareil, ça aussi, c'était chez Action, chez Noz. Alors ça, c'est un masque anti-âge. Il est très, très épais. Je ne me rappelle plus, je crois que c'était un swap. Il a l'air super sympa, je ne l'ai pas testé. Un à la camomille, ça, c'est chez Action. Ça, c'est chez Noz, un masque hydratant et rafraîchissant. Celui-là, je les avais bien aimés, je les avais pris en plusieurs exemplaires. Celui à la chérie, à la cerise, je ne l'ai toujours pas essayé non plus. Ça, c'est quoi? Hydrogel masque, clarifie, antibrillant, ça, arbutine et vitamine E. À utiliser après le quand on s'est démaquillé. Ouais, ça aussi, ça peut être sympa. Après, celui-ci, ça aussi, c'est chez Noz, ces masques-là. Hein. Ça aussi, c'est les princesses, pas testé encore. Ça, c'est un masque, je ne sais pas trop pour, vous voyez, pour les abeilles.
Masque visage Perfecta Botulux, Botulux céramide. Masque en tissu. Ouais, ils ne disent pas trop à quoi ça sert. Mais bon, vous voyez, il y a une abeille. Bon. Ensuite, dans le même style, j'en ai pris un autre. C'est à l'acide salicylique. C'est un masque illuminateur, je suppose. Donc ça, c'était chez Noz. Il y avait plusieurs styles de masques comme ça. Donc tout ça, évidemment, c'est jamais ouvert, quoi. Masque gold. Mais ça, c'est un masque en crème. Voilà, j'ai pris ça pour tester. Il y en a deux. Masque illuminateur visage en or 24K, il y a marqué. C'était 79 centimes les deux. Bon, ça aussi à tester. Un autre. Hein. Celui-là, je ne sais pas ce que c'est non plus. C'est pas bien indiqué. Hein. Un masque au phénomène. Phénomène C. Je ne sais pas trop ce que c'est. Après, on a un autre à l'acide hyaluronique. Hein. Après, on a un à la vitamine C que j'ai eu dans le calendrier de The Body Shop. On a encore un autre de chez Action avec une princesse. Enfin, ça, c'est Pocahontas, on dirait. L'autre, c'était Jasmine. Ça, c'est un masque à la perle de chez Noz. Ça aussi, c'est un autre que j'ai eu dans un swap, je crois. Que j'avais racheté chez Noz en y allant. Ça aussi, c'est chez Noz, un masque au crème à la beurre de karité. Ça aussi, c'est un autre masque que j'ai eu dans le calendrier de The Body Shop. Ça, c'est un de chez Sephora. Je crois que c'est Fanny qui me l'avait offert, celui-là. Fruit du dragon, ça sent très très bon. Après, ça, c'est un masque lèvres à la cerise. Ça, c'est très sympa aussi, je le mets sur le côté. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Un masque de chez Kiko, masque à... au thé matcha, aloe et concombre. Ah ouais, celui-là, je crois que c'est Christelle qui me l'avait offert. Je l'avais oublié dans tous mes bardas là. Donc, je vais le mettre en évidence. Et ensuite, il me reste des masques bubble. Ça, j'aime bien le faire de temps en temps. Mais là, c'est vrai que je reconnais que ça fait un moment que je n'en ai pas fait. Il m'en reste un dedans. Par contre, au niveau de la date de péremption, il n'y a rien du tout. Je comprends pas, il y en a, ça y est, d'autres, ça y est pas. Il y a des trucs tamponnés, on ne sait même pas ce que c'est. Bon, je vais l'enlever, comme ça, je vais jeter la boîte. Hein. Et au moins, je sais où j'en suis. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est des petits patchs pour les zones T, mais bon, ça n'a rien à faire là non plus. Et ça, voilà, c'est d'autres masques crème que j'avais acheté aussi chez Action ou chez Noz, je ne sais plus. Voilà, donc, vous voyez tous mes masques, hein. Ils sont là. Donc, peut-être que je peux ranger tous mes autres masques. On va voir ça. Si ça rentre, mais je ne crois pas. Et ceux qui sont ouverts, je vais les laisser à part. Donc là, les gros en bas. Ça aussi, mais je le mets un peu plus en haut, celui-là, puisque c'est un que je dois utiliser. Vous savez, celui-là, là. Je l'ai acheté il y a longtemps. Ensuite, les tubes, on va les mettre droit. Ouais, ça va rentrer. Allez, allez, on croise les doigts. Je vais mettre les petits masques de The Body Shop comme ça, tout droit. Les émollients. Celui-là, c'est un émollient, puis un exfoliant. Oh, ben peut-être qu'avec un peu de chance, ça va rentrer. Voilà, et ça, c'est le petit qui va là. Bon, là, déjà, les masques, là, ça rentre. Bon, le problème, c'est que dans le meuble, il n'y a pas que ça à faire rentrer. Ensuite, donc ça, c'est tous ceux que j'ai déjà ouverts. Donc, il y en a 2, 4, 6. Et franchement, c'est sûr que je ne vais pas les terminer rapidement. Hein. Mais bon, au moins, je sais, tout est séparé. Donc, ça, ça va là. Voilà. Donc, ça, je vais voir après pour le ranger. Déjà, j'ai trié, c'est déjà pas mal. Ensuite, j'ai trouvé quelques masques pour les yeux. Donc, des patchs. Voilà, donc du coup, je vais les laisser sur ma coiffeuse. Dans ma coiffeuse. Donc ça, je vais le laisser là. Donc après, donc les masques pour les cheveux. Alors, j'ai trouvé celui-ci au coconut. Et dedans, vous avez, enfin à côté, vous avez une charlotte. Hein. Donc, je vais les mettre dans une boîte comme ceci. C'est une boîte de Glossy Box, je crois. Ou...
Ouais, quand j'étais abonnée à la Glossy Box, donc il y a longtemps. Donc, je vais les mettre dedans. J'espère que ça va rentrer. Bon, après, il n'y en a pas beaucoup quand même. Après, j'en ai un autre un peu gros quand même. Hein, celui-ci. Antioxydant. Je sais pas. Grapefruit, c'est au pamplemousse. Je l'avais acheté chez Carrefour. Il y a tout un pan de mur chez Carrefour avec des masques pour les cheveux. C'est très, très joli. Déjà, celui-là, il a du mal à rentrer. Celui-là, il va m'enquiquiner. Je vais le bloquer, je pense. Ensuite, ça, c'est quoi? Patch revitalisant. Mais ça se met sur quoi? Les patchs yeux. Ah, c'est des patchs pour les yeux. Vous voyez, ça fait longtemps que je l'ai, je ne m'en suis jamais servi. Revitalisant à l'orange, sont infusés avec de véritables extraits d'orange et d'autres ingrédients botaniques actifs. Ils ont été spécialement conçus pour adhérer aux yeux et au visage lors de votre moment de détente. Enlevez le maquillage, placez les pads sur toutes les zones faciales que vous voulez et laissez poser entre 5 à 10, non, entre 5 et 15 minutes, je ne sais plus lire. Hein. Voilà, et pour un maximum de bienfaits, il faut les mettre au frigo. Bon, ben après, ils ne disent pas si on peut les réutiliser. Ouais. Bon, apparemment, il y en a plusieurs dedans. Je ne sais pas du tout. Ça aussi, je les mets avec les autres. Hein. Ça, c'est pour les mains. Donc, on verra après. Alors, pour les pieds, pour les mains. Alors là, ça aussi. Alors ça, j'en avais déjà testé. C'est ceux de chez Action. Ça, celui à la manga. Ils sont vachement bien. Hein. Ils sont vachement bien. Ceux-là, après, j'en ai toute une série que j'avais acheté chez Noza. Alors, c'est de la marque Bioven. Celui-là, c'est à quoi? À la grenade, à l'huile d'olive. Il y a plusieurs choses. Voilà, donc c'est un masque crème. Hein. À l'argile, celui-là, ils disent. Voilà. Après, celui-là, c'est au charbon. Et à l'argile volcanique. Voilà, ça, pourquoi pas aussi. Ça doit purifier, hein. Et celui-ci, par contre, il y a une charlotte à la lavande et à l'huile de camélia, on dirait. C'est un masque cheveux réparateur. Donc, celui-là, il va falloir le laisser poser, je pense, un bon moment. Mais évidemment, il a fallu qu'il mette l'étiquette du prix par-dessus. Voilà. Comme ça, quand il est là, tu es contente. Heureusement qu'ils remettent un peu en français, mais... Ouais, 20 minutes. Celui-là, c'est 20 minutes. Bon, pour les masques cheveux, c'est tout. Et du coup, pour les masques pieds et mains, j'ai bien envie de les mettre avec parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Donc, j'en ai un masque pour les cuticules au concombre. À chaque fois, je ne pense pas à l'utiliser. C'est dingue. Même plus, je crois qu'il est périmé. 2021-06-27. Je crois qu'il est périmé, mais bon, pour les mains, il faudrait que je l'utilise. Ça ferait du bien à mes cuticules. Pourquoi pas? Bon, je vais le laisser dehors. Après, j'avais acheté celui-ci il n'y a pas trop longtemps. Celui-là, je l'avais acheté chez Action. Voilà, c'est un masque avec un gant, vous savez, là, derrière. Hein, je vous montre. Voilà, je crois que je l'avais déjà acheté une fois. J'avais bien aimé. Ça, je l'avais repris. Donc, masque pour les mains, je vais le laisser là, à la coiffeuse, au chevet. Et ensuite, deux masques pour les pieds, un de chez Hopi et un de chez Loua. Voilà. Donc ça, par contre, je vais le mettre avec les masques pour les cheveux parce que je ne penserai pas. Oh, quoique. Je vais me les mettre en bas, ouais. Non, je vais les laisser avec moi au chevet dans la chambre parce que sinon, après, je vais les oublier. Bon, ben voilà. Déjà, pour les masques cheveux, finalement, je n'en ai pas beaucoup. Ça m'arrange. Bon, ben voilà, j'ai rangé ce que je vous ai montré dans le placard. Donc, ça rentre tranquille. J'ai arrangé les lotions et les nettoyants visage. Mais, j'avais oublié que dans mon autre pièce où je stocke des produits, un peu de tout, j'avais encore d'autres produits. Voilà. Donc, comment vous dire que je suis désespérée?
Je vais déjà me contenter de ce que j'ai fait là, d'utiliser sur ce stock dans la salle de bain. Et au fur et à mesure, eh bien, je réapprovisionnerai ce que j'ai dans cette pièce et de le rapatrier dans la salle de bain petit à petit, comme je fais déjà avec les gels douche, par exemple, les shampoings. Je me suis fait une panière aussi avec tous les mini savons, les mini shampoings, tous les petits trucs là, que j'ai eu dans les calendriers de l'Avent, toutes les miniatures. Voilà, je me suis mis une petite panière dans la salle de bain. Comme ça, de temps en temps, ben, je grappille là-dedans. Et c'est vrai que des fois, les petits trucs, ça prend de la place hein, et ça embête. Hein. Voilà, donc je vais essayer de faire ça en priorité, d'utiliser les petits modèles pour débarrasser un petit peu. Je vais me tenir à faire des masques plus souvent. C'est vrai qu'en ce moment, franchement, j'étais tellement fatiguée depuis début décembre que je n'ai pas fait grand-chose, hein, j'avoue. Voilà, donc je vais ranger encore les deux petits trucs que j'avais sortis. Donc ça, là, de chez The Body Shop. J'adore franchement The Body Shop. D'ailleurs, il y en a une d'entre vous qui m'a dit, enfin, qui m'a conseillé de ne pas reprendre le même calendrier l'année prochaine. Je vais prendre celui au-dessus. Parce qu'elle me disait qu'elle avait été déçue, il n'y avait que deux produits qu'elle n'avait pas eu l'année d'avant. Donc, ouais, forcément, c'est pas top. Donc, merci pour l'information parce que j'allais racheter le même. Voilà, donc on verra l'année prochaine. Si il va falloir que je sois raisonnable, ça va faire partie des projets de 2022 d'être un petit peu plus raisonnable. Je vous avouerai que j'ai déjà fait une commande de Yves Rocher parce qu'il y avait des fins de collection à moins 70%. Et j'ai fait une petite commande sur Boti B. Voilà. Bon, écoutez, si demain matin, j'ai pas... Enfin, c'est pas avoir la flemme. Je dis n'importe quoi. C'est pas avoir la flemme, c'est si j'ai le temps, demain matin, on fera un petit crash test. Vite fait, parce qu'il y en a qui m'ont réclamé des crash tests. Donc, on en fera un petit. Voilà. Je vais voir quoi, là. Je vais prendre 5 minutes, je vais regarder sur quoi. Et après, la semaine prochaine, je vous ferai un crash test sur les produits Red Valentina de chez Noz. Hein, je vous ai montré vite fait, je ne sais plus, dans la semaine là, du vlog, vous verrez. Vous avez dû voir, pardon. Pff, je rabâche. Je suis crevée, il faut que je me pose. Et voilà, je vous ferai ça. Parce que je ne sais pas, mais ce vlog, je pense qu'il va faire plus d'une heure et quart, une heure et demie. Donc, je vais essayer de raccourcir quand même. Allez, donc sur ce... Je vous laisse, je vais continuer à ranger les petits trucs qui me restent. Et puis, je vous dis sûrement à demain matin. Bye bye. Bonjour à tous. On est mardi 4 janvier. Donc, je vais me préparer vite fait. Voilà, j'ai fait mon ménage. Je vais préparer à manger pour ce soir puisque je suis de soir. Donc, comme ça, quand j'arrive ce soir tard, c'est prêt. On ne fait que faire réchauffer. Donc, ça, c'est top. Voilà, donc je vais me préparer vite fait avec vous. Alors, je vais mettre le sérum de The Skin House, le EGF collagène en poudre. Donc ça, c'était chez YesStyle. Il sent très, très, très bon. C'est un régal. Donc, voilà, là, je n'aurai pas le temps de vous faire le crash test sur ce vlog hein, parce que ce vlog dure déjà beaucoup trop longtemps. J'ai peur qu'après, ça vous ennuie, que ce soit voilà, trop long. Donc, je vais arrêter là, tout à l'heure, le vlog. Et je reprendrai un autre vlog. Aujourd'hui, demain, je pense, plutôt à partir de demain. Il y aura du crash test. Par contre, voilà, là, je prendrai le temps de faire un crash test. Et puis, j'irai sûrement chez Action. Enfin bon, voilà, je vais voir quelques petits trucs de prévu. Alors, donc, j'ai terminé ma crème aux jouvence. Donc là, du coup, je vais finir les crèmes que j'avais commencées. Donc là, je vais terminer la Coconut Water Cream. Elle est top, celle-là. Je l'ai vue dans une box, c'est un bon moment. Elle est géniale. Vraiment, elle est très, très bien. Un régal. En plus, moi, la noix de coco, j'adore ça. Et voilà, donc vous voyez la texture, elle est vraiment sympa. Je crois que c'était bon, c'était dans la Look Fantastic. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous en ai parlé. Je vais changer de box beauté. La Look Fantastic, je la finis au mois de mars. Donc, pour le mois d'avril, ou un peu avant, suivant, je vais voir. Je vais prendre une autre box. Alors, j'hésite. J'ai demandé conseil à Clochette Beauty Box, puisqu'elle, c'est la pro hein, des box. Hein. Donc, elle me conseille, je crois qu'elle m'a dit, la Glossy Box. Mais j'ai déjà été abonnée.
Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas trop si je retombe chez Cloutsy Box ou si je prends carrément une autre box. Je ne sais pas. Franchement, je suis encore dans le doute. Bon, j'ai encore un peu de temps. C'est clair, ce n'est pas une priorité non plus. Mais voilà. J'ai commandé la box surprise du mois. Donc, j'espère la recevoir rapidement pour que j'ai le temps de la préparer. Ça, j'ai super hâte. Ensuite, je vais mettre le Pore Filer de chez NYX. Une tuerie, ce primer, mais une tuerie. Regarde si c'est bien sec, la crème. Vous voyez comment il est? Ça fait un peu bizarre. Il sent, pas particulièrement, mais c'est agréable. Ça fait un effet doux, velouté, lisse. Oh, j'adore. Celui-là, mais NYX, il y a plein de produits comme ça que j'adore, notamment comme la base à paupières. Elle est top, c'est un petit machin noir. Hein. Elle est vraiment super. Il y a plein de petits trucs comme ça chez NYX que j'adore. Ensuite, je vais mettre, comme d'hab en ce moment, le bébé peau parfaite. Hein. Je vais mettre le sérum contour des yeux de chez Revuel. Il faut que je le finisse. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez quand les vlogs sont un peu longs. S'il y a des choses que vous aimez vraiment pas voir dans le vlog. Ou s'il y a des choses justement que je ne vous ai pas montré, que vous auriez aimé que je vous montre. Voilà, dites-moi. Hein, après, quand c'est dit gentiment, sans agresser, moi ça ne me dérange pas. Au contraire, j'aime bien avoir votre avis. Hein. Allez, donc le bébé peau parfaite d'Yves Rocher, franchement, c'est le top. Voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre 10 tonnes, franchement, même là, je crois que j'en ai trop mis. Vraiment top. Donc, pour le vlog suivant, j'ai prévu de vous montrer donc, tous mes livres qui me restent à lire. Tout ce que j'ai acheté en format papier et de vous parler voilà de ce que j'ai sur ma liseuse qui me tarde de lire. Voilà, on parlera un petit peu plus bouquin, on parlera peut-être un petit peu actualité, on verra ce qu'il y a. Voilà, on fera donc un crash test hein. et puis je sais pas, on verra d'ici là comme ça vient. Voilà, comme ça vient, on blablatera. Et puis surtout, bientôt, il y a les soldes. Donc, j'ai déjà craqué un petit peu chez Brochet, mais je crois que je vous l'ai dit déjà. Et Boutibé, voilà. Bon. Petite commande, hein, je n'ai pas exagéré, pas du tout, parce que bon, voilà, ça suffit. J'ai déjà énormément de choses. Donc, je vais essayer d'être raisonnable ou vraiment d'acheter des pièces qui sont vraiment chères d'habitude. Et là, voilà, si ça vaut le coup, je vais voir, voilà. Pardon. Ouais, je me suis mise sous antibiotiques hein, parce que franchement, je n'en peux plus d'être malade depuis décembre. Je suis malade. Voilà, je n'en peux plus. Franchement, entre la toux, les maux de gorge, cet état un peu grippal qui s'arrête et qui reprend, je n'en peux plus. Donc là, voilà, hein, je suis sous antibiotiques hein, et déjà, rien que par rapport à hier, déjà, je me sens un peu mieux quand même. Parce que ce mal de gorge, là, on a l'impression qu'on vous taillade, là. Mais c'est terrible. C'est terrible. Et ça m'avait fait pareil, déjà, au mois de décembre. J'étais malade. J'ai eu la grippe. Enfin, juste que c'était la grippe. Hein. En plus, maintenant, dans les tests PCR Covid, chez nous, en tout cas, on fait en même temps la grippe, maintenant. Donc, ça, si ça avait été possible, quand moi, j'ai été malade, ça m'aurait bien aidé, savoir si c'était ça ou pas. Bon, maintenant, c'est trop tard, hein. Bon, je me suis coiffée vite fait. Voilà, j'aime bien en ce moment me les mettre un petit peu sur le côté. Ouais, bon, vous savez que j'ai un petit peu la flemme. Hein. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire hein, au niveau du maquillage? Qu'est-ce que je voulais mettre? Un truc rapide. Je voulais vous montrer cette palette parce que celle-ci, je ne voulais pas trop montrer encore. Hein.
Donc voilà, je l'adore. Elle est très très belle. Il y a beaucoup de nacré. Hein. Donc je vais mettre vite fait la base à paupières. Parce que déjà là, on en est à je ne sais pas combien. Je voulais écourter, mais j'y arrive pas. Voilà, donc je mets un petit peu de ma base à paupières de chez Guerlain. Estée Primer. Voilà, elle lisse bien. Bon, après, j'ai rien remarqué à part ça de plus que d'autres bases. Hein. Donc, je vais mettre le Tragic. Donc, c'est le beige là, un petit peu clair. Juste un petit peu en dessous. Ah, en dessous, au-dessus là. Pour commencer à faire une petite transition, mais à peine, hein, vous voyez, j'appuie pas. Donc, j'ai fini mon dernier bouquin, là, Mon Bichon, l'histoire du comptable. C'était exceptionnel, ce livre. J'ai adoré. Je vous en parlerai dans mes produits terminés à la fin du mois. J'ai kiffé. Il est vraiment super, ce bouquin. Et donc là, j'ai commencé à lire Toutes ces vies où nous nous sommes aimés, de Céline Cole. Une révélation. Mais c'est magnifique. C'est l'histoire de deux âmes qui s'aiment. Mais à plusieurs époques, voilà, dans le monde, plusieurs époques. Donc, vous avez l'époque des gladiateurs, vous avez l'époque de maintenant. Et c'est les mêmes âmes qui se retrouvent. Et en fait, c'est comme un test par Dieu ou je ne sais pas trop encore exactement. Et il faut qu'ils apprennent à s'aimer, mais à s'aimer... je ne veux pas vous spoiler, mais c'est trop beau. J'adore. Il est vraiment magnifique. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Ouais, j'avais envie de mettre la Sing. Donc, vous voyez, c'est cette espèce de bronze un peu pailleté. Donc, je vais mettre que ça sur la paupière. Il est très, très... voyez? Il est très... oh, je ne trouve pas mes mots. Mince, alors. Voilà, il est très marqué, hein. Très très beau. Voilà. Et je vais mettre que ça sur la paupière. Voilà. Aujourd'hui, je vais faire assez simple. J'ai mon sauté de porc à préparer. J'espère que je ne vais pas le louper, que la viande ne va pas être trop dure. Parce qu'alors, hein, moi, je suis une catastrophe en cuisine. C'est pas toujours ça. Allez, donc j'estompe un petit peu parce que forcément, on dépasse un peu. Voilà, pour faire la transition. Allez, donc ça, c'est fait. Moi, ouais, j'aime bien cette couleur. C'est joli. Là, je fais que ça. Voilà, donc c'est la Misunderstood Color Pop Les Vilains. J'adore cette palette. Elle est vraiment sympa. Enfin, Color Pop, en général, on n'est pas trop déçu. Hein. Donc là, je vais appliquer le noir aux yeux et le mascara. Donc le noir comme d'hab et le mascara, je vais bientôt arriver à le finir. J'ai un peu plus de ce truc. Voilà, un petit coup de bronzer. Voilà, je prends toujours le même en ce moment, hein, parce qu'après, bon, des fois je change, mais mon préféré, c'est vraiment celui-là. Voilà, il apporte toujours un petit peu plus de peps, je trouve. Il est vraiment bien. Après, est-ce que je vais mettre un tout petit peu de blush? Qu'est-ce qu'on a comme blush qui pourrait être un petit peu dans les marronnés? J'en ai un. Je fais style, c'est la fille qui n'a pas, mais bon. Voilà, je déplace un petit peu. Donc, je vais mettre le bis, celui-ci. Il est un petit peu même dans les... dans le rose, mais tu peux quand même, il a tu peux ce grenat, je sais pas comment vous dire, il fait un peu bronze, mais vous voyez quand même, il a des reflets un petit peu bronze. Il est beau, très très beau, de chez Bissa, vous voyez, hein. Franchement, il y a des trucs sympas sur ce site aussi, j'aime bien.
C'est des petits prix et franchement, j'ai rarement été déçue. Voilà pour ça. Et puis en rouge à lèvres, j'en ai sorti un de Red Valentine de Mesoda, un que je voulais tester pour le crash test de la semaine prochaine. Mais comme j'en ai un autre, du coup, donc on va prendre le 303 Babe et donc Red Valentine Mesoda. Donc, ouais, il est un peu. Ah, mais c'est un rouge. Je n'avais pas compris que c'était un rouge, mince. Je croyais que c'était un marron. Ah ouais. Il est magnifique. Ah ouais. Ah, il est top à appliquer. Hein. Et en plus, je crois qu'il est, il est aimanté. Fantastique. Qu'est-ce qu'il est joli. Oh. Ah ouais, je l'aime bien. Bon, et bien voilà. Vite fait, bien fait. Petit maquillage, un petit coup de fixateur. Celui-là, je voulais montrer, je ne l'aime pas. Mais bon, il faut bien le finir. Ben, je ne l'aime pas, tout est relatif. Hein. Tout est relatif parce que bon, quand même, il fixe et il mélange bien les matières. Hein. Mais je ne sais pas, il y a un truc qui me dérange, je ne sais pas quoi. Bon. Peut-être qu'il reste trop longtemps humide. Peut-être aussi, je ne sais pas. Je vais faire un sauté de porc, je vais essayer de ne pas le louper, tout en regardant Raphaël Carrel. Alors en ce moment, j'ai découvert ce youtubeur, donc sur YouTube, hein, forcément. J'adore ce jeune homme. C'est un jeune homme très, très intelligent, très calé culturellement, qui vit sur Paris, qui lit énormément, qui d'ailleurs est en train d'écrire un livre. Il est très, très intéressant. Après, c'est un jeune homme... très ouvert, je l'adore. J'ai vraiment eu un coup de cœur. Je suis tombée sur une de ses vidéos, mais bêtement, je sais d'ailleurs, je ne sais même pas comment, c'est peut-être dans la navigation, là, dans les notifications des recherches, je ne sais pas. Mais alors, je suis tombée in love de ce jeune homme qui n'a pas tout à fait la trentaine, d'ailleurs, je crois. Il est super, voilà. Donc, je me régale. Il parle un peu de tous les sujets. C'est un jeune homme qui est homosexuel, mais qui n'a pas peur de parler des choses et de la vie. Il raconte pas trop sa vie personnelle parce que lui aussi, en fait, voilà, moi non plus, je suis un peu comme lui. Je n'aime pas montrer les personnes avec qui avec qui j'habite, hein, mon enfant, mon mari, tout ça, ma famille, je ne veux pas montrer. Je veux quand même garder mon jardin secret, puis non plus, eux ne veulent pas apparaître sur les vidéos. Mais il veut garder quand même son jardin secret, sa vie perso. Il y a des petits trucs qu'il raconte, mais j'adore. J'adore ce jeune homme. Il est très, très, très intéressant. Et ça change tout à fait des choses superflues. Bon, voilà. Raphaël Carrel, je l'adore. Donc, sur ce, je finis ce vlog maintenant. Et je vais en attaquer un autre, je pense, demain. Donc, n'hésitez pas à me dire, voilà, ce que vous avez aimé. S'il y a des choses que vous n'avez pas aimées. Si vous voulez d'autres choses que je n'ai pas présentées et qui vous feraient plaisir. Voilà. Tout simplement, en toute amitié. Donc, je vous embrasse très, 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 très fort. Je vous redis encore bonne année, meilleurs voeux, surtout la santé et beaucoup, beaucoup de bonheur. À très, très, très bientôt. Bye bye.